Salut tout le monde, c'est Jack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur American Fugitive pour une nouvelle partie. Donc ouais, me cherchez pas là, là je suis caché. Ouais, je suis juste là. C'est juste j'avais les keufs qui me tournaient autour. Donc voilà. Donc là on va aller voir le requin, voir s'il me restait des missions avec le requin à faire. Bien, vous êtes de retour, j'espère que ça s'est bien passé sur les quais. Mais si vous avez un moment, j'ai besoin d'aide. Vous connaissez Kenny Lunar, une rockstar. Il a sorti un petit tube il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, il s'est acheté une toute nouvelle Rose Vault avec mon argent. Puisqu'il n'est pas remboursé, ce qui est, comme vous le savez, plutôt parfait. Alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'il est revenu à la raison et qu'il a posté une annonce pour vendre la voiture ce matin. Et on dit qu'il y avait déjà quelques personnes intéressées. Il fait essayer la voiture aujourd'hui. Il faut qu'il me rembourse, monsieur Riley. J'ai besoin que vous voliez cette voiture et que vous la précipitiez dans sa propre piscine. Ouais, mais ça, c'est pas trop dur, hein. Tu respectes un peu les lois parfois, bien sûr que oui. S'il me doit de l'argent, je peux le faire changer de camp, on n'a rien de temps. Vous imaginez pas les liens qui unissent l'industrie de la musique et ouais, bah ouais, ça j'imagine, ouais. Alors si je peux me mettre Kenny dans ma poche, j'aurai une ligne directe avec beaucoup de méchants. Méchants comment? Assez méchants pour que je puisse travailler avec vous et non pas contre vous, monsieur Riley. Pas de soucis, ça devrait pas être trop dur. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que voilà, on aurait pu quand même essayer au moins d'avoir une. Comme un espèce de garage à la limite. Eh, mais t'es un ouf toi ou quoi? Non, mais attends. Non, mais attends. Eh, non, mais attends. Eh, bonjour. Viens là, toi. Allez, dégage. Allez, là, même la police il te roule dessus. T'as vu ou pas? Même la police il te roule dessus, madame. Bon, ça c'est pas une caisse de ouf par contre. C'est pas une caisse de ouf. Ah bon, ça y va. J'allais me tromper de piscine. Ah, attends, on va essayer de faire les choses bien quand même. C'est ça là ta piscine? Pardon. Tiens, bah voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Entrer par effraction. Confronter, nanana. Ouais, mais c'est que j'ai un peu les keufs au cul, là. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est où? Eh, c'est ma voiture, tu sais qui je suis? Ouais, je sais. Et je sais que tu dois pas mal d'argent à quelqu'un. Personne ne touche à la voiture de Kenny Lunar, mon gars. Je vais te buter. Ah ouais, t'es chaud? Tu vas voir si tu vas me buter. Mission accomplie. Mon travail, ses meilleures chansons étaient derrière lui de toute façon. Eh, mais qu'est-ce qu'ils veulent là? Qu'est-ce que vous voulez là? Ah ouais, non, mais attends, t'es un ouf toi. Putain, il avait combien de thunes sur lui? Quoi, t'es pas content toi aussi là? Ah ouais, non, mais attends. T'es un ouf? Par contre, attends, toi, je vais te dépouiller. Toi. Fouiller. En apprendre. Merde, je peux plus le. Voilà, ça je prends. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Ça je prends, allez je m'habille aussi. Je vais tous les mettre à poil. Voilà. Le prochain est un peu différent. Vous êtes efficace quand il s'agit de garder les gens endettés. Mais voyons à quel point vous l'êtes quand il s'agit d'endetter les gens. J'ai besoin que tu voles pour quelqu'un pour moi. Un vol c'est pas illégal, c'est pas illégal. Même pour les fédéraux. On va pas l'inscrire dans le registre non plus, j'ai eu du mal à faire en sorte que ce type avait eu besoin de mon aide. Alors j'opte pour une approche plus directe. Ouais, vas-y mon pote, pas de soucis. Ce type Dave Barlett, c'est un de ces types hors du système. Il possède un magasin de fourniture de plein air, mais il a aussi beaucoup de liens avec les groupes anti-gouvernementaux. D'accord. Donc je le braque, vous lui prêtez de l'argent, puis vous le transformez en informateur contre ses copains conspirateurs. Exact. Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il va emprunter de l'argent avec vous? Il ne fait pas confiance aux banques. Il n'en a même pas. Il garde tout son pognon dans son magasin, ce qui rend d'autant plus facile cette opération. Braquer le magasin, la cible doit survivre. Oh, tu me fais chier, toi. Toi, à chaque fois, faut que les cibles survivent. Donc, on rentre dans le magasin, les gars. Alors, j'ai l'impression de te connaître. T'es pas passé à la télé? J'ai bien peur que non.
Alors tu dois juste avoir une de ces tranches. Tu cherches quelque chose en particulier? Ouais, tes billets, tous tes billets. Oh, c'est un braquage. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. Des billets, ça vaut rien. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Des billets, l'argent, ça vaut rien. C'est juste une autre mensonge du gouvernement. Ce que tu dois chercher, mon ami, c'est de l'or. Très bien. Alors file-moi tout ton or. Tu penses que je garde quelque chose de si cher ici? Je cherche pas à me faire voler, tu sais. Je garde que de la liquidité ici. Ah, j'en ai assez. Bah, braquer. Petit braquage. Allez. Un petit coup de canoncier. Ou non, au calme. Au calme, je vais lui mettre un coup de botte. Propriétaire est effrayé. Super. Contenir. Est-ce que je peux? Non. Je peux pas le contenir comme ça. Prenez ce que vous voulez, laissez-moi tranquille. Est-ce que... Non, je vais le laisser pas se barrer. Ah putain, ça y est, c'est parti. C'est parti en couille. Le vendeur a pris la fuite. Ouvrir le coffre. Ok? Donc déjà, atelier. Ça non, ça je vais prendre. Le reste, bah le reste, j'en ai pas besoin. Merci d'être venu. Là-dedans, il y a quoi? Salle de stockage. Des petits trucs comme ça, je prends parce que c'est pas mal. Ici. Allez, mon pote, allez, allez. Ok, info sur l'or. Ok, pas de problème. Ok, barre-toi. Ok, barre-toi. Ok, barre-toi. Ok, c'est quoi l'embrouille? Ok. Mais j'ai pas le truc. Alors, note ajoutée au journal. Je vais prendre les 4 températures là. Et puis bah je vais retourner. Je vais essayer d'ouvrir le coffre tout simplement. Donc bah écoutez les gars, on y retourne. Ah ouais, t'as pas très peur. T'as pas très peur. Tiens, rien. Avec une calache, je pense que tu vas avoir peur. Je pense qu'avec une calache, tu risquerais d'avoir peur, mon frère. T'inquiète même pas. Vas-y, barre-toi. Allez, dégage de là. Ah, comme ça, tu me laisses tranquille. Hop là. Le coffre. Il est là. Hop là. Hop. Putain, il y a des bijoux, il y a tout. Alors, 1947. C'est pas celui-là. 1, 1, 6, 4. C'est pas ça non plus. 5137. C'était ça. Ok, les gars. Voilà. Mission accomplie. Mais attends, t'inquiète même pas, mon pote. J'ai dit, j'arrive. Du coup, j'ai un peu le temps. Pas non plus énormément, mais j'en ai un petit peu. Ça, je prends. Et là, il y avait quoi fouiller là-dedans, là? Il y avait encore ça. Bah écoute. Ah, l'inventaire il est plein. Bon bah c'est bon. C'est bon mon pote. C'est bon. Au moins on a ramassé 400 dollars. Et là on peut se barrer. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu viens faire là ma petite dame? Là ce qu'il faudrait c'est que j'aille au prêteur sur gage. Parce que j'ai un paquet de trucs à lui donner à lui là. Aucune mission disponible. Ok. Bon bah voilà les gars, bah écoutez, je pense qu'on en a terminé avec le requin pour l'instant. Et puis bon, on ira voir un petit peu, bah c'est, comment il s'appelle, c'est Wild. Ouais, je sais plus comment il s'appelle celui-là. On va y voir sur la map. Ouais, c'est ça, Wild. On ira voir Wild qui est là la prochaine fois pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Puisque là, bah vous voyez, mission avec Dwayne, c'est terminé. Le maire Hamilton, c'est bon. Et là, le requin, pour l'instant, bah il est terminé aussi. Donc il n'y aura plus qu'à aller faire les petites missions de Dwayne, les courses. Donc hâte de faire les courses aussi et puis bah tous les petits tremplins à sauter, les missions, enfin il y a encore vraiment pas mal de petits trucs à faire. Donc bah les gars, laissez le message dans les commentaires si ça vous a plu, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc bah portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.